Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des produits terminés. Il y en a pas mal, alors je ne vais pas m'attarder. Je vais commencer donc avec un shampoing. C'est un Nutribeurre de chez Garnier Fructrice. Il est vraiment pas mal. Il est à l'amande, à la macadamia et au jojoba. Donc vu qu'il y a du jojoba, il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Mais franchement, il fait bien son job. Moi, j'étais satisfaite. C'est des shampoings que je suis amenée à racheter quand je ne trouve rien d'autre au magasin. Donc du coup, voilà, ça c'est top. Celui-là, j'ai voulu le racheter, il n'y en avait plus dans mon action, mais j'adore ce masque et forcément, je vais le racheter, c'est obligatoire. Hein. C'est l'Intense Repair qu'on trouve chez Action et bah, voilà, il est vraiment top. Je suis en train d'en tester un de chez L'Oréal. C'est pas le même résultat du tout alors que c'est plus cher, enfin bref. Et ensuite de chez Yves Rocher, bah, je crois que je l'avais déjà présenté, celui-là c'est Jardin du Monde, c'est à la fleur de Magnolia et franchement bah, je l'adore, je le rachète régulièrement donc du coup bah, top, je rachète. Un produit que je ne vais pas racheter, que j'ai mis énormément de temps à finir, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, il est dégueulasse d'ailleurs, c'est le déodorant solide de chez Schmidt et c'est à la bergamote plus lime. Franchement, j'ai pas aimé. Je sais qu'il y a tout un engouement sur ces déodorants là. Moi personnellement, un déodorant, j'aimerais qu'il me suive au moins une heure dans la journée, quoi. Et là vraiment, j'ai l'impression que je me mettais de la matière pour pas grand chose. Donc ça me convient pas. Je pense que ça doit convenir à d'autres personnes, mais en tout cas moi, avec ma transpiration, c'est non. Et ensuite, la crème gommante de chez Absolution qui est pour le visage, que j'adore, que j'ai déjà racheté et que je continuerai à racheter. D'ailleurs, j'ai reçu là dernièrement le gommage corps, j'ai hâte de tester ça et bah, je vous en reparlerai forcément, mais celui-là franchement, si vous cherchez un gommage doux pour les peaux aussi bien sensibles que pas sensibles, franchement foncé, il est vraiment top, j'ai adoré. Ensuite, un masque de chez Sephora, je les adore, moi de toute façon les masques comme une dose comme ça. Donc là c'est anti-âge, lissant, alors anti-âge, hein, bon, j'ai quelques ridules, mais je suis pas non plus. Voilà. Bon, mais en tout cas, il hydrate bien. Le tissu était bien imbibé de sérum. Donc, vraiment, bah, top. Et il est à laisser poser 15 minutes. Voilà. Donc, tranquille. J'aime bien faire les petits masques comme ça quand j'ai pas trop le temps. Ensuite, un produit que je vous ai déjà parlé, mais que du coup, qui est en grand format d'ailleurs ici. C'est le Sun and Skin qu'on avait reçu en 12 décès. Je crois que c'était dans la Birchbox. Je l'ai adoré. Et du coup, bah, racheté. Voilà. Ensuite, un sérum à la camomille de la marque COS. Là, pareil, j'en ai déjà parlé. Je crois que j'en ai encore un en backstage. Donc, c'est un sérum apaisant à la camomille. Et franchement, il est trop bien. J'aime beaucoup son côté huileux, en fait, sur le visage. Il sèche plus ou moins vite, mais c'est un produit qui est hyper efficace, donc du coup je lui en veux pas quoi. Ensuite, un autre sérum, là c'est la marque OO, alors je sais jamais comment on prononce, c'est une huile visage antioxydante, elle est vraiment top, j'aimerais bien la racheter, je me suis pas encore penchée sur la question, parce que elle est pas tout à fait finie, hein. il me reste une dose de visage à peu près, et bah ouais, je pense que je vais regarder quand même, parce que je trouve que ça m'a apporté vraiment de l'hydratation, très bonne hydratation, par contre là c'est huileux de chez huileux, hein. Donc t'as intérêt à mettre bien de la poudre par-dessus pour matifier tout ça. Donc du coup, bon, ça c'est le côté bémol, mais il marche super bien aussi, donc ça c'est pareil, c'est un produit, je vais voir entre le COS, si je l'ai pas déjà dans mes placards, voir lequel je choisis. Ensuite, de chez Sanaflore, bah, l'Aqua Magnifica, je l'avais déjà testé en version d'essai, et bah, du coup là j'avais quelques soucis de petits boutons, donc je suis allée acheter ça, je crois que j'en ai pour 17€ les 200ml, je crois que c'est ça 200ml, je ne sais plus. Je ne vois plus. Enfin bref, ce flacon-là. Il y a un autre flacon dessus. Et bah, je l'ai trouvé vraiment très bien. Du coup, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai vu que le combo avec l'huile qu'ils ont, c'est pas mal pour voilà, des petites cures quand t'as des problèmes de peau, voilà, des boutons qui ressortent d'un seul coup. Donc je sais pas, je me tâte parce que les deux ensemble, là par contre, ça va faire mal au portefeuille. Mais je pense que vous reverrez du Sanaflore, ça c'est sûr.
Ensuite, mon indispensable numéro 1, et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne l'ai même pas mis dans mes favoris, Evelyne, je suis en train de chercher, c'est l'effaceur, c'est un correcteur. Donc, le bémol de ce produit-là, c'est que du coup, il faut tourner en fait pour accéder au produit à l'intérieur, ce qui fait que ça consomme énormément parce que c'est un format avec une mousse en fait. Donc, ça s'imbibe, mais tu n'utilises pas tout le produit. Moi, je sais qu'en ce moment, je mets que ça sur mon visage. Voilà. Je mets que ça et plus de poudre, plus rien parce que bah, justement comme je le disais j'ai des boutons donc du coup j'essayais de faire évacuer tout ça. Et puis dernier produit, c'est le Beaver, c'est le Cherry Blossom. Donc je l'ai re-eu en troc et bah, je l'ai fini aussi et j'adore ce produit et ça me dérangera pas du tout de le racheter même si je crois qu'il coûte un bras. Mais franchement il est bien donc tant que je peux le trouver en troc. Je vais le trouver en troc, mais sinon je vais peut-être le racheter parce qu'il est vraiment très très bien. Donc c'est un après-shampoing pour celles qui ne connaissent pas, ce que je crois pas l'avoir dit. Et voilà. Et c'est tout pour les produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air à gogo, allez-y à foison. Et puis à vous abonner si ça vous dit. Moi en tout cas, ça me fait plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.